et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal et on entame enfin le mois de novembre. Alors pour le mois de novembre, j'ai décidé de partir sur un thème des lanternes. J'adore les lanternes, je commence à en faire une petite collection, je trouve ça trop joli, j'adore ça. Et du coup, j'ai voulu faire ce thème-là dans mon Bullet Journal pour le mois de novembre. Alors ce mois-ci, j'ai voulu vous présenter mon dessin en intégralité parce que d'habitude, je vous demande déjà les croquis déjà dessinés et là, cette fois-ci, je voulais vous montrer de A à Z que je dessine moi-même mes petits dessins avec beaucoup de difficultés. Voilà, alors que c'est pas du tout au point, c'est plein de défauts, c'est pas joli, mais c'est fait avec le cœur et c'est le plus important. Voilà, enfin bref, voilà en ce qui concerne la présentation du mois de novembre. J'ai décidé de rajouter un petit arbre pour donner un côté un petit peu automnal aussi au mois de novembre, mais finalement il y aura que sur la page de présentation. C'est pas grave. Alors j'ai commencé à faire le petit dessin sur mon bureau et finalement je suis venue le terminer ici dans mon salon parce que c'est beaucoup plus éclairé, c'est beaucoup plus sympathique. Voilà, on s'en fiche complètement mais c'est pour ça que le décor a un petit peu changé. J'ai fait tous mes croquis et maintenant je passe tout ça en couleur, enfin entre guillemets parce que du coup ce mois-ci je suis restée dans les tons noirs, gris et doré et argenté aussi. Qui se baladait tout seul, je l'ai mis là. Il est un peu couillon tout seul, mais bon, c'est pas grave. Ça rappelle un petit peu le thème quand même. Et on entame avec la toute première semaine du mois de novembre, qui n'a que 3 jours. Donc du coup, sur la page de gauche, eh bien, j'ai fait ma to-do list et mes objectifs que je pouvais pas faire sur le calendrier parce que j'avais plus assez de place. Et du coup, j'ai rajouté forcément une petite lanterne et une citation que je n'avais pas encore mis jusqu'ici, puisque normalement c'est sur la page de présentation. Mais c'est pas grave, elle sera là, c'est toujours aussi bien. C'est pas vraiment une citation, c'est plutôt une petite phrase qui rappelle le thème. Le temps met tout en lumière. Voilà, tout simplement. Et pour les jours de semaine, j'ai rajouté une petite lanterne et tout ce qui est le plus classique pour aller avec. Pour mes semaines. Là, franchement, je suis allée en freestyle. Je voulais faire quelque chose de différent pour ce mois-ci, mais bref, voilà, ça revient en même finalement. Enfin, oui et non. Bref, pour la deuxième semaine, eh bien, j'ai fait une grosse lanterne en plein milieu de la page et j'ai répertorié mes jours de semaine tout autour. On enchaîne avec la troisième semaine et pour chaque jour de semaine, il y a une petite lanterne qui lui est attribuée. C'est toujours la même lanterne, elle est toute simple à réaliser, celle-ci elle est vraiment pas compliquée. Et c'est ce qu'il me fallait. Cette fois-ci, les jours de semaine, j'ai décidé de les faire tous côte à côte, les uns après les autres. Alors je suis pas sûre que ça soit très pratique pour noter tout ce qu'il y a à noter, mais parce qu'au final il n'y a pas beaucoup de place, mais bon, on va faire comme on peut, hein. Je voulais essayer, on verra bien ce que ça va donner. Semaine, c'est entre guillemets des petits casiers, mais c'est pas du tout pareil que d'habitude. Donc j'ai séparé toutes mes pages en 4 pour les 7 jours de semaine, et du coup sur la 8e et dernière case, et bien, j'ai fait une petite lanterne. Forcément, fallait rappeler le thème. Et on termine
termine avec la dernière semaine, avec encore une fois une très grosse lanterne en plein milieu de la page, et bah, les semaines, enfin les jours de semaine tout autour. De novembre est déjà terminé. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, ce que toi-même tu as réalisé pour ton bullet journal au mois de novembre. Et puis bah voilà, je partage toujours les photos sur Instagram, donc si toi aussi t'as fait ton bullet journal, n'hésite pas à me taguer sur Instagram, je viendrai voir avec le plus grand des plaisirs. Même si ça concerne pas forcément le bullet journal, hein, ça peut être un n'importe quel autre loisir créatif, hein, mais si tu veux que je vienne te voir, et bah ça sera avec le plus grand des plaisirs. Donc voilà, j'ai fait tout le tour pour mon bullet journal, j'espère que ça t'aura plu, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Et puis bah voilà, c'est l'heure de se quitter. Alors je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite, bah oui très très vite, dans une prochaine vidéo. Bye bye!